Bonjour Monsieur Bolloré. Vous voyez que dans le monde, le secteur des médias, c'est le deuxième secteur le plus rentable, après le luxe. Donc il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent dans les médias. Et donc notre intérêt n'est pas politique, n'est pas idéologique, c'est un intérêt purement économique. J'ai pas confiance. Au 1er janvier 2021, seuls 58% des policiers municipaux étaient armés. On sait bien que traditionnellement, dans toutes les sociétés normales où il fait bon vivre, eh bien, le contrôle social, c'est-à-dire les règles de comportement des gens les uns avec les autres, dépendent essentiellement de leur capacité à partager des choses au quotidien ensemble. Et donc ça va dans le sens de ce dont vous parlez avec cette police de proximité. Elle ne va pas dans le sens, la réglementation, de la judiciarisation, du flicage généralisé dans notre société. C'est-à-dire qu'on ne répondra pas aux enjeux de sécurité, on ne répondra pas aux enjeux de coexistence, simplement en rajoutant toujours plus de policiers, en les armant toujours davantage et en désarmant la population. J'ai pas confiance en l'être humain. Alors vous vous sentez comment avec vos nouveaux appareils? C'est réciproque. Et vous avez d'autres bonnes nouvelles? C'est un peu compliqué à expliquer en fait. Calme-toi, Georges. Et voici le sous-sol. Économique, pratique pour tous. On s'entend bien. C'est pas le jour, lui, ça remonte, ça vient très loin. C'est gagné. Il y a en France une attente profonde, une inquiétude profonde, un stress profond sur la question des libertés publiques. Ingelhardt, 1977. Ingelhardt nous explique comment la société post-matérialiste passe dans une société où on a peur de choses qui ne nous arrivent plus. L'insécurité est en train de baisser. Les gens qui tuent les autres, ce sont des hommes, ce sont en général au sein de votre famille, vous tuez quelqu'un. C'est pas dans la rue. Vous n'êtes plus tué dans la rue. 85% des meurtres se font à l'intérieur de la famille. J'ai pas confiance en l'être humain. Ça vient de très loin. Ce faisant, vous le savez, ils sont à la recherche. Ils sont à la recherche de la réplique attendue. Ils sont à la recherche de la réapparition dans la démocratie de la violence mortelle. Ils souhaitent par-dessus tout que renaisse cette peine-là et qu'ils puissent à leur tour dénoncer sur les traits de la démocratie l'image sanglante qui est la leur par une sorte d'inversion des valeurs. Inversion des valeurs, eh bien, cette tentation-là, il faut la refuser, sans jamais pour autant, je le redis, compromettre avec cette forme ultime de violence intolérable dans une démocratie. Au 1er janvier 2021, seuls 58% des policiers municipaux étaient armés. C'est pas le jour, lui, ça.